Pourquoi serais-je une reine, africaine de surcroît? Je ne possède aucun titre, aucune richesse. Je ne suis pas née en Afrique. Mes parents ne sont pas africains. Pourquoi serais-je une reine, africaine de surcroît? On me dit noire, métisse, chabine. On cherche à me définir. À quelle origine pourrait-on m'identifier? Mes racines sont africaines, c'est certain. Mais j'en ai d'autres également. Seul un travail de recherche sur mon arbre généalogique pourrait le révéler. Qu'est-ce qu'une reine africaine de surcroît? Une femme ayant un statut social représentant la royauté, et ce, sur le continent africain? Si vrai. Si évident et pourtant si faux. À la question « qu'est-ce qu'une reine africaine ?», je répondrai que c'est une femme avant tout, avec toutes les problématiques associées. Une femme qui, en dépit de toutes les circonstances environnantes, a appris à rechercher et reconnaître la fierté d'être un être humain. Alors, après tout, je suis peut-être une reine africaine. Et vous aussi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une collaboration avec Nounette Maquillage. Donc c'est la collaboration Queen of Africa. Cette vidéo n'est pas un tuto, mais juste une représentation de ce que j'ai pu faire pour ma participation. Et vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo et également en barre d'infos les autres participantes. J'espère que la vidéo vous plaît et je vous fais de gros bisous. Shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I.